بسم الله والحمد لله وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم بعد. Il y a une question qui revient souvent. Les gens me demandent comment tu subviens à tes besoins. Alors aujourd'hui, je vais vous répondre dans cette vidéo. Je vais vous dire comment Allah Azza wa Jal me permet de vivre. Mais tout d'abord, je voudrais vous parler du cheminement. Comment tout cela est arrivé. Alors je dis souvent que la hijra, il y a différents types de personnes. Il y a des gens, ils font la hijra et ils ont deux bonus, c'est-à-dire ils ont de l'argent et ils ont également un diplôme. Et ça, c'est la meilleure des choses, avoir les deux bonus, c'est-à-dire de l'argent et un diplôme. Il y a des gens, ils ont un des deux bonus, soit ils ont de l'argent, soit ils ont un diplôme. Celui qui a de l'argent, il va pouvoir investir. Celui qui a un diplôme, il va pouvoir chercher un travail. Et voilà, dès qu'il a trouvé un travail, il va choisir le pays en fonction de son travail, ou il va aller dans un pays et il va aller chercher du travail dans ce pays-là. Et il y a des gens comme moi, lorsque j'ai fait la hijra il y a 10 ans, j'avais pas de bonus, j'avais aucun des deux, j'avais pas beaucoup d'argent, j'avais pas de diplôme, donc j'avais quoi? J'avais un malus. J'avais un malus. Mais le malus, parfois, il peut cacher également des bonus. Moi, on va dire, la chose que j'avais, c'est que j'ai pas peur d'aller au contact. J'ai pas peur d'aller au contact. Ça veut dire, j'ai pas peur d'aller charbonner. Donc moi, voilà, j'étais comme ça. Donc lorsque j'ai fait la hijra, la première fois en Égypte, au début, voilà, j'avais pas vraiment besoin de travailler parce que la vie en Égypte, elle n'était pas très chère. Mais voilà, au fur et à mesure que le temps avance, on voit son argent baisser, surtout quand on voit que la vie n'est pas chère, on dépense beaucoup, on va se faire plaisir. En France, on ne pouvait pas aller au McDo. Là, on va au McDo, etc. etc. Donc en Égypte, qu'est-ce que j'ai fait? Le premier travail que j'ai commencé à faire, c'est que je voyais des frères, ils vendaient du parfum. Je voyais des frères avant, ils venaient d'Égypte, ils avaient du parfum. Quand je suis allé en Égypte, j'ai trouvé le plan, j'ai trouvé où on achète le parfum, etc. Donc je me suis dit, moi aussi, je veux me lancer dans ça. Et quand derrière là, j'étais tombé malade. Donc j'ai dû aller en France pour faire un petit voyage. Et lorsque je vais en France, ben, je fais quoi? Je ramène du parfum avec moi. Alors, alhamdoulilah, lorsque j'ai ramené le parfum avec moi, ça a bien fonctionné. Donc j'ai continué à faire cela. J'envoyais du parfum de temps en temps. J'ai continué donc à vendre du parfum. Et puis les jours, ils ont avancé. J'étais en Égypte, je commence à parler l'arabe, je commence à discuter avec les Égyptiens. Il y a beaucoup de frères de France qui viennent, il y a beaucoup de frères de France qui partent. Ça veut dire qu'on a des contacts avec des propriétaires d'appartements. Donc je me suis transformé en quoi? En Simsar. Simsar, c'est quoi? C'est comme un genre d'agent immobilier. Je cherchais des appartements pour les gens. Les gens qui venaient de France, ils m'appelaient. Ils voulaient prendre un appartement et on prenait une petite commission. Donc avoir fait Simsar, après avoir vendu du parfum, il y a une autre vocation qui s'est ouverte à moi. Lorsqu'on cherche des appartements pour les gens ont besoin de meubler leurs appartements. Ça veut dire qu'au début, une fois, deux fois, trois fois, je accompagne les frères pour meubler leur appartement. Et après, tu commences à savoir où on fait les sidari. Beaucoup de frères veulent des sidari. Donc j'ai commencé à investir, je confectionnais des sidari et je les revendais pour les frères qui venaient. Donc après avoir fait tout ça en Égypte, c'était le moment de partir au Yémen. Je le dis dans la série qui est en cours sur la route de la Hijra. Je suis arrivé au Yémen et il ne me restait que 400 euros. Donc lorsqu'on n'a que 400 euros, on n'a pas le choix. J'ai dû me mettre dans le moule directement. Le premier travail que j'ai fait quand j'étais au Yémen, c'était livreur de gâteaux. Il y a un Yéménite qui avait besoin d'une personne pour livrer des gâteaux. Donc il m'a embauché. Je ne travaillais pas énormément. Je travaillais environ 2 à 3 heures par jour. Mais il n'y avait pas de repos à part le vendredi. Et accrochez-vous bien, pour cela je gagnais 10 euros par semaine. Alors 10 euros par semaine pour moi c'était formidable parce que ça me permettait de payer mon loyer. Donc je payais mon loyer. Mon loyer il était de 40 euros.
je payais mon loyer et après pour manger, voilà, on se débrouillait. Après ça, donc le Yéménite, malheureusement, il m'a dit qu'il n'avait plus besoin de moi parce que le commerce ne marchait pas trop bien. Donc il y a un frère de France qui avait ouvert une usine de gâteaux, fabrication de gâteaux. Ce frère, il m'a embauché et mon travail consistait à séparer les jaunes des blancs d'œufs. Alors j'ai fait ça pendant quelques mois, mais c'était très bien parce que le matin j'allais en cours, je faisais tous mes cours et je ne travaillais que le soir. Après avoir fait ce travail, j'ai déménagé au Yémen, j'habitais à Sharjah, après j'ai déménagé à Aden. Et lorsque je suis arrivé à Aden, il y a un frère qui était boulanger, il m'a appris un peu à faire des gâteaux. Donc au début je faisais des gâteaux, je les revendais pour gagner un peu d'argent. Puis après Allah Azzawajal, il m'a facilité une petite entrée d'argent et il y a un frère qui avait ouvert un restaurant et il m'a proposé de m'associer avec lui. Je me suis associé avec lui et après voilà, on était ensemble dans le restaurant. Puis après il y a un autre frère qui s'est rejoint à nous. On était trois dans le restaurant, dans la ville, et le restaurant il marchait franchement super bien. Donc après, quand le Yémen il a commencé à devenir instable, moi, je commençais à avoir voilà, une vision, une envie de partir du Yémen parce que ça commençait à devenir instable. Et donc, j'ai fait un voyage à ce moment-là. J'ai fait un voyage au Koweït. Et lors de ce voyage au Koweït, je commençais à chercher du travail parce que je voulais m'installer au Koweït. J'ai vraiment aimé le Koweït. C'était un pays magnifique. La sunna, alhamdoulilah, les mosquées, les adhènes, etc. Les cours des machires, etc. J'ai vraiment apprécié le Koweït. Mais voilà, je suis tombé devant un rempart, devant un mur, parce qu'à chaque fois que je voulais postuler, on me demandait c'est quoi ton diplôme ? C'est quoi ton diplôme ? Qu'est-ce que tu as comme diplôme ? Et donc là, vraiment, j'ai vraiment compris dans ma tête qu'il fallait que j'aie un diplôme, parce que voilà, avoir de l'expérience, ça ne suffit pas, surtout dans les pays musulmans, c'est pas comme en Occident. Dans les pays musulmans, c'est pas comme dans les pays anglo-saxons. Dans les pays anglo-saxons, quand vous avez de l'expérience, l'expérience vaut plus qu'un diplôme. Mais dans les pays arabes, dans les pays musulmans et dans les pays francophones, le diplôme a plus de valeur que l'expérience, malheureusement. Donc c'est là que j'ai commencé à penser à m'expatrier au Maroc. Parce que je me suis dit, le Maroc, c'est un pays qui est francophone. Et pays francophone qui veut dire que je pourrais reprendre mes études. Et je pourrais reprendre mes études en langue française. Donc je me suis dit, je veux venir au Maroc. Donc j'ai commencé à appeler des écoles. Les écoles m'ont dit, oui, il n'y a pas de problème, on prend les étrangers, etc., etc. Et donc, c'est de ce fait pour cela que je me suis expatrié au Maroc. Mais lorsque je m'expatrie au Maroc, il faut toujours que je subviens aux besoins de mes enfants, de ma famille, etc. Donc, j'ai eu l'idée de faire ce que je faisais en Égypte, c'est-à-dire qu'en parallèle de mes études, j'ai commencé... J'ai ouvert une autre société dans le parfum. Je me suis associé avec un frère qui était en France. Moi, je lui ai envoyé la marchandise et lui, il a vendu en France. Alhamdoulilah. Et ça marchait bien. On est resté ensemble quelques années. Et après cela, voilà, de fil en aiguille, toujours au Maroc. Je lui ai revendu mes parts à ce frère. Et désormais, c'est-à-dire à l'heure actuelle, j'ai ouvert une société de transport. Et c'est donc cette société de transport qui me permet aujourd'hui de pouvoir vivre, de subvenir aux besoins de mes proches, de payer l'école de mes enfants, de payer mon école à moi, de payer mon loyer, de payer mes charges, etc. J'ai ouvert une société de transport et c'est ça qui me permet, voilà, je ne suis pas riche, mais alhamdoulilah, ça me permet de vivre, ça me permet de subvenir aux besoins de mes proches. Mais comme vous l'avez vu, de l'eau a vraiment coulé sous les ponts, j'ai vraiment tout fait. Et c'est ça en fait, mes frères et sœurs, la hijra. C'est soit on a un diplôme, soit on a de l'argent, soit on a les deux. Mais si on n'a rien des deux, c'est-à-dire si on a un malus, il faut vraiment être débrouillard. Et moi, c'est ça qui m'a aidé. Allah Azzawajal m'a facilité, voilà, à être quelqu'un de débrouillard. J'ai pas peur d'y aller. S'il faut faire un travail, même si on va gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup moins qu'en France, je vais le faire. Même si, voilà, même si je sais que je vais gagner beaucoup moins, je vais le faire parce que je sais que je suis en train de préserver ma religion et c'est la chose la plus importante que l'on a. Donc voilà mes frères et sœurs, maintenant vous savez tout, parce que plusieurs fois on me demande qu'est-ce que tu fais comme travail, comment tu subviens à tes besoins. C'est comme ça que je subviens à mes besoins. Voilà, je demande à Allah Azza wa Jalla qui vous facilite aussi à vous de faire la hijra. Innahu waliyu zalik wal qadiru alayhi walhamdulillahi rabbil alamin.